toki mungongo ezolo bananga mwana nanga tala malam. Alors nazala ki ko tala malam natali likolo e komi rouge makas nazomo na ba étoile ya ba couleur e belé multicolore mais ba étoile belé mélangé na ba couleur. De étoiles moquées, j'ai mis plus ou moins 5-4 couleurs. Très bien. Alors, je me posais des questions, mais pendant que nous avons été en train de me étoiles ont été en train de me faire. Ils ont été en train de me faire. Ils ont été en train de me faire. Mais pendant qu'ils ont été en train de me faire, ils ont été en train de me faire. 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 Ba étoile wana eza ba étoile ya malamu te meza ba étoile moya mabe Satan a sopi ezo symboliser molimo moko ya séduction oyo Satan sopi na ta oyo surtout mingi mingi pona ba jeune sœur. Est-ce que bazozo ba ministère na bango ba lotomo na bango ba soumettre yango ba ministère na bango ba soumettre yango et pas une ensemble rien. Alali na ye ayele le Dieu m'a parlé. Et même le lot tout le monde a pasteur, le col a commis pasteur azo qui te mentionnaité. Le col a commis pasteur azo ko édiquer bana na été. Mais pourquoi nani Joshua le dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Le pasteur doit s'occuper de sa famille. Mais aujourd'hui beaucoup m'ont divorcé. Mais y'a moi la casse. Bah divorce c'est bien. Si qu'on a quatre divorces, on a tout colombani. Ils ont moussa ensemble au Bali. Et les lots y est pour divorcer. Papa, tout colombani, ils ont zambé. Au moins si on a zando, mingi mingi basa zamba bimzaka, bah des fois basi. Très bien. Au moins si nanga Ndumba, Azandumba ou bien Azando qui, oh, allez cacher l'anga poison. Wana les zamba échappatoire. L'homme de Dieu il doit avoir la deuxième priorité. Et Zali a qu'on s'occupe de la famille. Pour mais tu n'as pas une bonne relation personnelle avec ton Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le ministère. Okay. Alors tu n'as pas une bonne relation. Papa n'a pas eu de l'apôtre. Il y a une relation avec la mort dans Zambé. Il y a eu un peu de dans Jérémie chapitre 9. À partir de 23e verset, du 24e verset. Alors, on a le baboui. Le pasteur, il doit passer du temps avec Dieu dans la prière. Voilà, merci à tout le monde, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Jérémie Luemba, les renards du désert est devant vous. Abonnez-vous massivement, soutenez-nous, commentez positivement, partagez l'émission. Si possible, je dis comme ça un grand merci à tous nos abonnés, mais aussi à tous nos partenaires. Levier Batombo, Bobo et Mama Lami Bekantoy à Londres. Levé Gérard Saddam na Manchester, les célèbres Dien Zundu na Washington, Yalou Zombala de Madrid, Maman Espérance Assoutou, la mère des archanges, depuis la Belgique. Je n'oublierai jamais Ya Guillaume Atondolo, ma portable na Paris. Donc je vous salue. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous un homme de Dieu que vous avez déjà suivi une fois chez nous. Lui, c'est le prophète Richard. Alors, il nous revient avec un autre enseignement, Toyo Kaye, par rapport à l'actualité, par rapport à la révélation, Onkolo Apesiye, et voilà, donc, l'homme de Dieu, bonjour. Oui, bonjour, papa, Nana, Jérémy, bonjour. Merci, l'homme de Dieu, Toyo démarrer la prière, papa. Oui, merci beaucoup, merci, Tobondeli. Dieu Tout-Puissant, Topesso, merci, pour un moment favorable, éternel Dieu, au Pessibiso, Lissousso, y'a côté les Malibuso, y'a monde entier. Aux alli peuple nayo dans la émission oyo nzambe to sengi lisungi nayo dans la molimo santo que le saint esprit nous guide du début jusqu'à la fin afin que nous n'y parlons pas notre volonté mais que nous fassions ce qui est ta volonté au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà l'homme de Dieu prophète Richard.
Boni Moussa Nzambe évolution activité kindeni. Papa Moussa Nzambe en tout cas Moussa Nzambe ça va Angola Nzambe. Tozu Moussa les otambo la malamu kana bolingo naye pe na ngolo naye papa. Est-ce que ban paté bazo témoigner pe? Bon, ko témoigner comité le ban paté Nzambe ba témoigner. Ko témoigner ba témoigner ka soki Nzamba sali. Bilbile Nzambe tali sami ndefu ba témoigner. Ba koki ko forcer témoignage te mais ba témoigner ka oyo Nzamba osala parce que ko témoigner na nya le bosse na me souffre de vie. Ko Nzamba pe sibiso. Vrai témoignage mwana. Pema, pema ya bon moyi oyo Nzambe a pe simpaté nde ya le bosse fa témoigner Nzambe. Onyo se tikali wana za nomka premièrement zaka ba matabisi. Mais il y a le souffle de vie. Très bien dit. Merci. Voilà, et tant que prophète, toujours vivre dans Mboka, la réalité est belle. Le pays ne décolle pas, crise à carburant, crise alimentaire, qu'il n'y a pas si souffrance. Est-ce que, au moins, on n'aura pas ce Congo dans l'Angleterre. Quand d'autres disent que, chance à Mboko et Kinaba Mboutou, Mboka, ici, Baba Iba, tout ça. Ils ont dit que tant que prophète au monde a payé spirituellement comment que mon cannabis et que n'est pas mon bout. Il est parti avec les chances. Payé dans l'ibabé. Bon, il y a plusieurs langages. Yo tant que je n'ai pas beaucoup de bonnes. Non, moi je suis un homme de Dieu. Premièrement, Nzambaye, pourquoi je suis né du Congo. Congo, c'est un pays béni de Dieu. Mon pays ne peut pas être maudit. Mon pays, c'est un pays béni de Dieu. C'est un pays aussi qui a aussi la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu n'est pas seulement l'argent et ou bien la bénédiction. La bénédiction, c'est quand Moutou, quand tu es allié bien, alati bien, n'engue Moutou, azo, azo ton ganda, kouke yangwana bénédiction. Non. Soto lobi ke li pamboli, ok, mbo kanem se béni. Parce que batou bazo li a bien. Parce que batu bazo la ta bien yango ali pambulo an lokuta wana se ke ba sataniste nde baza beni biso ba nzam to a benite pendant que sataniste azo tonga ndako azo kende pe poto azo sa pe ba faire minene naza sataniste. Alors la bénédiction de Dieu c'est quoi dans notre pays? Notre pays est béni. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu premièrement est spirituelle. La bénédiction de Dieu premièrement, même les promesses, la parole de Dieu qui est dans nos pays, dans notre pays plutôt, et ça une bénédiction. Parce que la bénédiction, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Cette parole qui est dans notre pays, les hommes de Dieu qui sont dans notre pays, c'est la bénédiction. Moka cannabis au Congo, ils ont la richesse. Il y en a mambo bela qui toko. Mutu monta ko loba ke Congo eza moti. Très bien. Ke Congo eza non, Congo eza na kati ya plan ya Nzambe, pe eza béni. Pourquoi? Parce qu'il a béni le Congo. Il n'y a pas un pays dans l'Afrique qui est béni comme la RDC. Très bien. Voilà. Donc moi je ne peux pas tolérer que ba loba ke mboka na nga eza moti par rapport aux circonstances. Non. Moi na Nzamba ko zala na ba promesse à Nzambe, mi ya des étapes pe ale kaka. Akoleka Joseph la ina bilaka Nzambe, il était béni de Dieu. Alors toko loba nini tant bande koné ba yiniye a passé na ba parcours mo difficile to loba que Joseph za ki maudit. Non, la RDC n'est pas maudit. La RDC est bénie, mais nous marchons selon les plans de Dieu. Tozo tambole et nous avons l'espoir que RDC kobonga. Amen. Merci. Voilà, prophète. Alors pendant ce temps, est-ce qu'il y a aussi une révélation pour la écolo pour naba pasteur pour na évolution mboka? Est-ce que aujourd'hui moi révélation kola lobby? En tout cas vraiment kandenge na mekaki ko sambela pona makambo ya likambo ya basa nenga na lobai likambo basa Nzambe ba scandale Mais pona mboka Congo, bon Dieu ne m'a pas parlé pona mboka comme surtout pona ba homme de Dieu. Il a dit par rapport ba scandale nde siko na mekaki pe ko zo ta ya ko bondela pona likamwana parce que balobi to a to jugé selon l'apparence extérieure té mais il faut to sani to examiner to discerner ngai na par na ngai na konté ba msusteme na par na ngai. J'ai essayé de prier pour les hommes de Dieu
par rapport à ma scandale, Babilo, Batimba, Rimer, Ozo Tambola, Kebasa, Nzambe, Boye, Boye. Bon, pendant que nga Nazalaki ko prié, Nde Nzambe, Aeko Lakisanga, Nazalaki ne ko mona, pour Nazali na 7 jours à Mabondeli. Alors, 5e jour nanga, vers 2h du matin, Nde Siko Nzambe, Abandi Kota Lisanga, Nakata Ndoto, ya prophétie Nakata Ndoto. Nazomona na telemi likolo ya libanga. Mais pendant que na telemi likolo ya libanga, libanga ngozali na katikati ya mayi. Très bien. Nazalaki kotala. Nazaki ngamo kuna yoki mungongo ezoloba nanga mwana nanga tala malamu. Alors, nazalaki kotala malamu, natali likolo ekomi rouge makasi, nazomona ba étoile ya ba couleur ebele. Multicolore, mais ba étoile belé mélangé na ba couleur. De étoile moko zobi musa plus ou moins ba 5 4 couleurs. Très bien. Alors je me posais des questions, mais pendant que nous avons kotala na mona ba étoile wana mike mike sanine ezo kitasiko na mabelé. Ezo kuena. Ezo kuya na se. Mais pendant que ezo kuya nazo yoka muto za kolobela nazo bela moni ndezo mo ba étoile wana. O kanisi ni pona ba étoile na mina comprendre le côté. Aibi singa mwe ba etuali wana. Ba etuali wana eza ba etuali ya malamu teme eza ba etuali mwe ya mabe. Sata asopi ezo symbolize molimu moko ya sediksyon. Oyo sata asopi na ta oyo, surtout mingi mingi pona ba jene se, atini molimu ya sediksyon. E kiteli mingi ba jene se oyo, baza vraiment na nzambe a solote. Ba oyo mingi ba utiliza ba babiloko ba bengi net ba kabelo babiloko ba bengi ba baksa ba manzaka wana ba teka kawana na ba rouge a lèvres. Alors naza komona ba etoile wana ezo kuya na mabele likona bango ayebi singa ke moni ngeza boy wana eza satan muto atindi ba esprit na ye e kite likola bana basi. Alors bana basi ba ko continue ko causer ba scandale belé. C'est tout kati na bana nzambe et puis kati na basa na nzambe koluka ko séduire les vrais même hommes de Dieu parce que Satan s'est attali que ala son temps et belété. Alors tant ou wanese ko leka na baluki na zota na kata zamba ne komona plein moko mais na kata plein wane komona 5 lions mais pendant que nazo mona 5 lions wana ne komona ba lion wana na forme a okufa. Balimba limba do bakufa pena do bakufi ko le matin me balion wana baza okufa bibe me pena balion. Très bien bankos so nazalat ko poser question pourquoi aibi singa mo balion wana ce sont des grands hommes de Dieu o baza na renommé makas les grands hommes de Dieu mana renommé makas mais omoni position na banga okufa 5 dans la Bible nous avons les 5 ministères. Alors position na bangonde zo mona bangonde sont les hommes de Dieu même dans le monde même na kata Congo boba na renommé ya makasi baza batu si bakufi na zo mona bango kokufa o nzamba zo lobelanga wana eza kokufa nanu ya nzoto te ya molimo mais eza kokufa molimo parce que Yesu alobye biso likambaliwa abike mutu oyu aza suna nzambe te kati na bomo na za mokufi. Alors basi batiki ngai nzambe ba koti na kati ya makambo ezali makama mokili pe babiloko ezali ko sepisa bango me pendant que nazaki kotala limbisa papa na ngai na komona ba lionso ebele babimi na kati ya zamba me pendant que ba lionso wana bazo bima ba lionso wana bazo mata likolo ya bibembe wana ba lion bazo mata. Alors Dieu m'a dit que ndengo zo mona boye ezali lokola signe ya arme ya sika oyo nzambe alingi ko bimisa ya basali moko oyo bako pela makasi na Congo basali moko oyo bako tamponner makasi na Congo mais basali wana izo de jeunes prophètes de jeunes pasteurs ba ngaba bima mais bako bima na ampleur mususu na 2023 otozokota nouvelle génération moko nzamba alinga bimisa. Alors ba o wana lokola ba kufi ba koluka ba combattre nouvelle génération oyo ekobima nde oyo zaki lokola message oyo nzamba pesinga na kati ndene kede ko tuna nzambe na kati ya mabonde lilangai
Voilà, merci beaucoup, prophète. C'était quand même important. Tu as une révélation, tu as un message en cola PCO. Oui, papa. Pour expliquer Bissot, tu as un témoin. Alors, on peut quand même vous donner le temps de nous expliquer parce que on a un livre. Oh, ils ont un livre. Non, syllabus. Ils ont un syllabus. Oui. Yannini. Bon, un homme de Dieu, Aza Moutounano, Atala Kalolenge, Moussala Nzambe Zotambola, Lolenge Monde Zotambola, homme de Dieu, Aza Lokola Sentinelle. Oh, ils ont veillé l'Ikolo, il y a peuple de Dieu. Très bien. Oh, ils ont veillé même l'Ikolo, même il y a Église Corps du Christ. Parce que moi, je ne suis pas seulement prophète de mon église, mais je suis prophète d'une multitude de personnes. Mm. Donc, parce que je garde presque plusieurs enfants de Dieu, nazo veillé l'icône avant, même dans le monde. Nazo ka pasteur, to prophète église nangate. Alors, ezo ko salabiso passe par rapport au nenge comportement, il y a basal nzambe mosusu. Le lingue ba komi ko se diriger ba zobo sana parce que mina ina le Brésil les priorités bibliques du pasteur priorité hein, selon la parole de Dieu ya musali na nzambe. Oh, ça existe aussi. Oui, ma priorité d'un bon serviteur, d'un bon serviteur, parce que un pasteur, un prophète, un bon serviteur de Dieu, il doit avoir des priorités. Alors, priorité Zanine, priorité Eza Lokola, Makambo O Ezakaya Liboso, les premières choses nécessaires, Oyo, un homme de Dieu, Oyo Sengi na ye, ami pesa nango nano. Mais parce que le autre jour, on a un scandale ebele, Moussou sous le lot, Aye Koli na ye, Makamo Nzambe, Oko Soutou Kaboye, Oyo Nanga na komi prophète. Ye Mokwa se s'autoproclamer que je suis prophète. Mais ce qu'on a dit, c'est que nous sommes prophètes. Peut-être que nous sommes prophètes. Allez-y. Nous sommes prophètes. Nous sommes proclamer que moi je suis apôtre. Mais pendant que nous sommes prophètes, tu n'es pas un apôtre, tu es un frère. Tu es un aspirant. Tu es un yamana. Donc, aujourd'hui, amen, tu es un prophète. Donc, tu es un juge. Non, nous sommes jugés, mais nous sommes. Allez-y. Alors, c'est pourquoi papa n'a pas eu, parce que dans Meki Kotou Nzambe, pourquoi des scandales dans l'église corps du Christ? Pourquoi les hommes de Dieu, les lots, t'ont commis et belé, c'est bien? Parce que bien, bien, il a mis en mounène. Mais ça, il a mis en mounène. Mais ça, il a mis en mounène. Ba mitié ba pasteur. Confusion. Eh? Ba mitié ba apôtre bango moko. Ba mitié ba prophète bango moko. Pendant que nzamba benga bangote. Au côté la moutouana a yébika verset moko ya Bible. Mais ouzo komi benga pasteur, prophète. Non. Eza confusion, papa. Eza confusion. Un homme de Dieu, premièrement, il faut azana un père spirituel. Un père spirituel oyo ako confirmer ministère oyo zakati na ye to monaki. Même exemple ya prophète Samuel dans la Bible, prophète Samuel ne savait pas que nzamba zo benga ye. Nzamba bengi ye miya zo yoka Eli première fois, deuxième fois, troisième fois, il ne comprenait pas. Maintenant, qui a compris que Samuel nzamba zo benga ye? C'était son père Eli. Yen est ce que non n'est pas bon. Ce que yo sur mon ouane bengio. Le bas que me voici, Seigneur. Parle à ton serviteur. Alors, quand Eli allait qu'on confirme appel à Samuel, par là tu comprends que Eli a bengami. Mais Moutou, oh yezo komi benga prophète, il n'a pas un père spirituel. Mais je veux que expliquer Bissot. Donc, premier élément, Zali, il faut avoir un père spirituel. Un père spirituel. Alors, père spirituel, il y a une confirmé que certainement, moi, na oya zulotom, ou bien moutou oyo, aza apôtre, parce que apôtre, aza un message na prophète, aza un message na évangéliste. Baye baka, un ministre de Dieu par son message. Mais le lom, tu commandes à moutou aza évangéliste, aye même na chaîne, ami beni prophète. Ou commandes à moutou aza pasteur, aye awa, ami bengi apôtre. Confusion.
alonde na lingi na mekampeko parce que même bana nzambe mawa makasi parce que bana nzambe tant bazoyo ka ba apôtre prophète docteur bana nzambe za influencer makasi or e ko sunga bana nzambe bele ba priorité oyo po ba découvrir ba vrai hein premièrement le ko la première priorité na lobby pour avoir un ministère efficace et fructueux. Il est important que les pasteurs gardent les bonnes priorités. Première priorité, Ezali Lokola, les pasteurs, il doit avoir l'amour envers son Dieu. Hein? L'amour, la première priorité dans la vie du pasteur ou d'un prophète est sa relation personnelle avec Dieu. Hein, Papa Nangai? Les pasteurs, les prophètes, l'évangéliste, le docteur, sa première priorité, il doit avoir une bonne relation avec son Dieu. Une relation personnelle. Le pasteur doit avoir une relation personnelle. Mais les autres hommes ont tout. Oyo azo komi benga pasteur, mais n'a pas une bonne relation avec son Dieu. Mais comment yozo te yabatu? Comment yozo sakola? Comment yozo bima apôtre, mais tu n'as pas une bonne relation personnelle avec ton Dieu? Parce que c'est Dieu qui donne le ministère. Okay. Alors tu n'as pas une bonne relation. Papa nanga yomi ben yapôtre. Oza na relation ya malamu tena nzambe. Ba oye ba komeka kotanga ngo wana ba kotanga na Jérémie chapitre 9. Kunande ba otanga ngo a partir ya 7 ya 23e verset, qui 24e verset. Alors na lina lo baboy. Le pasteur, il doit passer du temps avec Dieu dans la prière. Papa, oye ke ba sans nzambe bele le ba sans la vie. Ba comment ensemble la rare. Basana nzambe bele lelo bazote ya une expérience mais une expérience na lobi bien que il doit passer du temps avec son Dieu dans la prière au monde na yao na kanisi na lekakala au oui na zui temps ebele ya koluka nzambe na mabondeli. Il faut ma retraite ma gêne oui. Ma prière parce que avant même na kopé sa message na kata chaîne oyo. Mais ces messages, il faut que Dieu me donne ces messages. Mais aux hommes na batu bazo fabriquer ba message, aux hommes na batu bazo créer ba message wana oyo zo pesa wana et outé pa na nzambe té. Aux hommes fabricants ngo tango mutana matia de kuiko oyo za fabriquer. Alors, continue maté hein. Abi, il doit passer beaucoup de temps avec Dieu dans la prière. Et deuxième, il doit s'efforcer d'être pur et saint et rester intègre. Très bien. Papa, le pasteur doit s'efforcer. Nenge apôtre Paul a dit que je m'efforce d'être pire devant Dieu et devant les hommes. Donc le pasteur doit s'efforcer. Mais le lot, Ezamakama, il doit s'efforcer d'être pire devant Dieu et devant les hommes. Et rester intègre. Rester intègre. Rester intègre. Pas de corruption. Voilà. Voilà. Et il doit rester rempli du Saint-Esprit et se laisser diriger par lui. Il doit rester rempli du Saint-Esprit. Et dirigé par lui. Dirigé par lui. Le Saint-Esprit doit être rempli chez les pasteurs, chez les prophètes. Quand il n'a pasteur, quand il n'a prophète, peut, il faut Saint-Esprit n'est comme un pasteur. Il faut Saint-Esprit akamba mwana nzambe, il faut Saint-Esprit akamba évangéliste. Mais le loba sa nzambe bezo bani. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Avant même un homme de Dieu au téléphone, au peut sa message. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es dirigé par le Saint-Esprit? Tu n'es pas dirigé par les, mais tu es dirigé par tes propres passions. Donc, aux adjets n'a pas posé na yo sentiment mon que matio au lobby le lofon a sa l'émission au lali na yo au lien na yo nanda kuna yo lobby au lien na tongo au cours c'est l'anzami makam. Mais donc là tu veux faire allusion et tu n'as retour y a pasteur mais kalamba une église na yo mon aki ayo ko sambela ko mundi mi malgré ma mamba zawadi ma mamba vaseline ayo qui une église quand même battez les municipaux mais kalamba
C'était très très tôt bien comment. Si on a peine à na tuno mutuna papa moli maman ikambaza. A jouer banaté jusqu'à là. Mais yango na po ngio tuninga question. Yango a peine à zongi sur le potoza na kata maman alo. Papa ya molimo ya Mike kalam na utiko lobangwa. Donc est-ce que vous corrigez bango hein? Na corriger te, je n'ai pas ce droit là de corriger. Moi je prêche que les critiques parlent. Alors que chaque homme de Dieu doit avoir un père spirituel. Hein? Donc il y a beaucoup de sous-points là. Oui, il y a beaucoup de sous-points. Il doit se nourrir et s'imprégner de la parole de Dieu. L'homme de Dieu doit se nourrir de la parole de Dieu. Il doit s'imprégner de la parole de Dieu. Lelo, papa, comparer Babiloko au Basal Nanzambe, Bazo Sala par rapport aux Écritures. Par rapport et même ma profession de paix pour moi dans le bac n'a contre ma prophétie. Moi-même je suis un prophète, non c'est ma prophète à dom et à ministère, mais n'a la pose que ma prophétie au baso paix ça il faut être la fonder dans la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui est la vraie prophétie, hein? C'est la parole de Dieu. Mais bah tout quand n'est notre colombe à la ligne à la mouquet. Oh, ah, Nzamba yebisinga. Ah, Dieu m'a dit. Papa, Nzamba ngo okomozo ayi le kwa muninga nayo. Allez-y, toko si toko neta papa. Ba soupré, ba soupoint. Alors, il doit soumettre sa vie et son ministère à la seigneurie de Jésus-Christ. Il faut Moussa Nzamba asani à soumettre vie naye. Na ministère naye, na seigneurie ya Jésus-Christ. Ok, si ça va pour moi. Alors, naïebite par rapport à ba oye ba mangamoubat ba osala. Est-ce que bazozo ba ministère na bango, ba lotomo na bango ba soumettre yango, ba ministère na bango ba soumettre yango, et pas une ensemble rien. Alali naïe aye le Dieu m'a parlé. C'est pourquoi zomona plusieurs scandales na katia église corps de Christ, plusieurs scandales na katia. Lingomba nanzambe na kata basal nanzambe. Parce que bazaba tu moko, oyo bazo soumettre bazi na bangote na kata seigneurie à Christ. Continue. Nalina le la deuxième priorité, le pasteur doit s'occuper de sa famille. Sa famille biologique? Oui, la première famille. Sa famille biologique. Hein? Dans sa famille, nous avons les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous, c'est le groupe Charisme. Le groupe Charisme, nous vous invitons à une grande journée de prières, de miracles et de guérisons qui se tiendra sur 71 rue La Briche à 93 200 Saint-Denis. Venez y nombrer, expérimenter la puissance et la gloire de Dieu, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ déclare dans sa parole: mon Dieu agit, moi aussi j'agis. Et comme Jésus-Christ est en train d'agir, nous aussi, les groupes Charisme, nous sommes là pour agir par le nom de Jésus. Venez y nombrer une seule date, le 16 avril 2022, à partir des 14h sur 71 rue de La Briche. Que Dieu vous bénisse. Ma maman, ma papa, Boya et Bélé, Mokoloya, le 16 avril. 2022, Nango. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Les groupes Charisme vous invitent à la date du 16 avril 2022 à Paris sur 71 rue La Briche à Saint-Denis, 93 décembre Saint-Denis. Une seule date, le 16 avril 2022 à partir de 14h. C'est sur 71 rue de La Briche à 93 200 Saint-Denis. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Venez y nombrer, contemplez la puissance et la gloire de Dieu, car Dieu sera en œuvre. Nous vous invitons de venir nombrer, expérimenter la puissance de la gloire de Dieu. Une grande journée qui sera animée par les groupes Charisme, les pasteurs Doris, homme de Morija, ainsi que l'apôtre Laurent et toute personne qui compose les groupes Charisme. Venez y nombrer, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Nous vous invitons au nom de Jésus à expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Une seule date, le 16 avril 2022, à partir de 14h sur 71, rue de la Briche à Saint-Denis. Venez-y nombreux, expérimentez la puissance et la gloire de Dieu. Notre Père agit et il est tenté d'agir. Venez recevoir votre miracle au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Et même les gens qui sont pasteurs, le col a commis pasteur, ils ont quitté moi. Le col a commis pasteur, ils ont coédiqué. Mais pourquoi Joshua a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Le pasteur doit s'occuper de sa famille. Mais aujourd'hui, beaucoup sont divorcés. Mais il y a moins de cas. Le divorce est bel. Si on a quatre divorces, on a un peu de cas. Ils ont un peu de cas au Bali. Et les gens qui sont divorcés. Papa, tokoloba nini onzambe au moins si on a zando ko mingi mingi basa na babimsaka ba des fois basi. Très bien. Au moins si nanga ndumba azandumba ou bien azando ki yo ali akachela nga poison wana eza ba échappatoire ya basanza. L'homme de Dieu il doit avoir la deuxième priorité ezali ya ko s'occuper na famille na ye. Il doit éduquer ses enfants. Il faut entretenir bango. Il doit entretenir sa femme, éduquer sa femme. Parce que moi, je suis pasteur, il faut qu'on éduque bien. Donc, si vous échouez dans ma mission, vous avez faux pasteur. Ceux qui ont échoué dans ma mission, papa, et particulièrement, vous avez faux pasteur. Mais comment vous êtes pasteur, vous avez une relation avec vous? Comment vous êtes pasteur, vous avez dirigé l'église, vous avez une église, vous avez tenté la prière et vous avez une église? Comment vous êtes pasteur, vous avez soumettre la vie à vous, et vous avez soumettre le ministère à vous, la Seigneurie à Christ? Seigneur nonan. Parce que kolo musala za yende Yesu. Yende kolo musala bitwa basali. Et musali nyoso a pesa ka konti randi pa ya kolo musala. Mais yo za musali. Comment yo zo ko ko soumettre musala na to ministère? Parce que ministère, ministère eza ndenge to mo kanzela ngo lelote. Basala nzambe ba komi kozwa ministère loko la compétition. Au moni Moussa Nzambe a sali miracle na église a lekisi yango na télévision a bandi ko tuna témoigner sala boye sala wane comme le la compétition. Oui pour baye ba ke oui yenda sa non yango le mona ke l'église ya lelo na église primitive nenge sala ki ozo mona ke ba oni so bazaki même corps le même corps une même pensée sentiment moko de bazaki na elo posa moko. Yangwana il se faisait des miracles. Ok, continuons. Alors, le pasteur tant qu'on s'occupe de la famille, à l'intérieur de sa famille, c'est son épouse qui doit recevoir d'abord son attention. Est-ce que papa, le pasteur m'a dit qu'il a capé, moi si naïe à l'andelaï. À contrôler. Au courant, soyez soumise. La Bible dit soyez soumise. Non. La femme est la yende à recevoir attention à yo. Ce qui ont tapé à côté avant Bima Libanda, c'est la femme qui doit encadrer ça. Très bien. C'est la femme qui doit gérer ça. Mais pendant que yo se koyé dit qu'on entretenir moi sinote. Pendant que yo zo considéré yete. Pendant que yo net bilo que outi ko le kana moni prophète Simoko. Prophète Simoko na mubali na ye baba sa nzamba zo bunda. Et puis, bazo panza na musoa tia ko yiba biloko ya mobali akei. Papa, est-ce que mariage wana? Et outi epai na nzambe? Ou bien zaki mariage moko sentimentaliste? Te wane zaka ya prophétesse Sierra Mbuyu. Oyo souvent zo ba révélation ba tu bakufa. Na voilà. Ya mona ramingi bimbe. So buta kufi ya bimela ki ngai. Na mona kiye. Voilà.
Mais il y a quand même un prophète qui est venu. Il y a un prophète qui est venu. Il y a un prophète qui est venu. Il y a un comédien. Un comédien. Il y a un prophète qui est venu. Et puis le lot, bakabouani. Bon, je ne sais pas. Bah filmé. Bah filmé, yé. Et ti balé comme un niveau wana, qui soit disant, bah zubi lo, quoi, qui m'si. Donc, conseil, yango, pisi. Yango, conseil, papa. Eh, le pasteur doit d'abord s'occuper de sa famille. Oh là. Deuxième priorité. Papa, ce qui nganganzambi a causé biloko, il n'y aura pas de bêtises. Allez-y. Il n'y aura pas de bêtises dans l'église du corps du Christ. Le pasteur doit être fidèle à son engagement envers son épouse. Moi, c'est mon con. Oui, mais ça n'a pas de Timothée. Qu'un diacre, un effet qui fait ça, moi, c'est mon con. Mais le lobo, beaucoup m'a pas polygame. Mais quand c'est moi, ce diable, mon imouta, je défends de polygamie. Do azam sa nzambete. C'est quelqu'un qui sort hors de la parole de Dieu. Plusieurs chéris. Plusieurs chéris. Ozo zo abasser à l'église. Ozo zo akuna ba chantre. Ozo zo akuna ba tuna ba prophète ba missionnaire te loke salim il sou soki wapi. Na yo ke pasteur azui mafuta. A memi huile d'olive. A memi sermon na ngomba. A ke pakula ya lalie. Na loba. Est-ce que ata yo muko? Papa. Ah, bon, bon a bien. Bon, il faut parler na ngomba. Et quand c'est un nialobat, papa n'a pas été en harmonie, et puis tant que tout le pasteur n'a pas été en harmonie, nous avons dit que 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 nous avons dit amona baser wana bampate na ye bilanga na ye. Bilanga na ye so ngazwa moko alia ondire za ye yeza bilanga Christ te yeza bampate esuba za ye papa to chité to chité. Alors ce sont des erreurs oyo ezo ko sali malelo ezo sala passe makase na kate a église corps de Christ. Troisième priorité za le pasteur le ministère de l'église place ne mambo evandi. Oh, la base. Le ministère de l'église. Papa, la troisième priorité du pasteur est de paître le troupeau que Dieu lui a confié. Bien, donc bien garder ses troupeaux. À gérer bandimi malam. Au moins, nous sommes bien pasteur. Il n'y a pas un pasteur sans troupeau. Un berger, hein? Pasteur, la berger. Il n'y a pas un pasteur sans troupeau. Papa, pasteur à YouTube. Ah, oh, pasteur à YouTube. Papa, surtout, il faut que tu aies un pasteur. Il faut que tu aies un pasteur. Parce que jamais, tu as un pasteur. Je ne vais pas défendre le pasteur missionnaire. Le pasteur missionnaire, il faut que tu aies un pasteur. Il faut que tu aies un pasteur. Il faut que tu aies un berger à Facebook. Berger à Facebook, berger à YouTube. De temps où il y a eu, il y a eu un assemblé, il y a eu un assemblé. Ça, c'est faux et archi faux. Un pasteur, il doit premièrement paître le troupeau que Dieu lui a confié. Copaître est un profond. Copaître est un profond. Tu as là David. David était. Mais il y a des pasteurs où il y a des lots, il y a des bâtards, il y a des chasseurs. Est-ce que papa, pourquoi Esaou a raté les pambol? Et pas papa là. Papa là, il n'a pas ça à pambol à Esaou. Mais pourquoi Esaou a raté les pambol? Parce que Esaou était un chasseur. Oh, Dieu n'aime pas les chasseurs, il aime les bergers. Jacob était un berger. Dans ce là, Jacob, le quoi, il a un berger. Le quoi, il a un berger. Le quoi, il a un chasseur dans Zamba. Or, il y avait. La bergerie n'a qu'à le pangou nabango. De Jacob a suivi parce qu'il était un berger. Dieu aime les bergers. Nous avons dit qu'il y a et il y a plusieurs pasteurs. Mais ce sont des chasseurs. Merci. Donc, troisième priorité, Zali. Et Zali, le pasteur, il doit paître les troupeaux que Dieu lui a confiés. Attention! L'attention du pasteur doit d'abord aller à son église locale où il doit diriger. Il faut que attention à l'église. Premièrement, attention à s'occuper des fidèles, leurs soucis. Ozawana. Ma prière, c'est suivi. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Voilà. Mais le lot pasteur, il y a le bossonan pasteur à Otala. Mon dieu, appelle ça hier si ma assemblée. Voilà.
Au moins, place ma problème, ça. Confusion. Confusion. Or, que tant que vous avez eu Ngombe, Ngombe soit olia bien. Aux hommes, il s'est mal bien. Ni les angilobio, mais la belle. Milkla. Ngombe lié ça est bien. Papa, jour où mon vraiment, tant que tu as ministère, c'est capable de faire ça. Parce que j'ai porté un ministère là très difficile. Alors, tant qu'on a dérangé Bandimi, papa n'a pas de problème. Richard, Bandimi, wana te batu ba bengi yo na kata musala. Très bien. Musala mutape so zanza. Nzambi. Tika ko banda ko deranger Bandimi. Oui, so ki ba pambula ba peso c'est bien. Mais il y a liboso na mutfo deranger Nzambi parce que babi l'ouvrier met son salaire. Mutache na musala za Nzambi. Voilà. Hein? On va bientôt chiter na opeso mo tamuke. Je vais tout simplement vous rappeler que nous recevons pour vous le prophète Richard. Il est ici à Kinshasa, dans la commune de Mongafula. Mmh. Son numéro est affiché au bas de vos écrans. Pour toute communication, message, appel, prière, prophétie, c'est un jeune serviteur de Dieu. Je crois qu'avec Dieu, Makamuto Rosamalam. Je vais ici dire merci. Je voulais dire merci à tous nos partenaires. Maman Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Maître Sizasuka, ma puissance amie Kili, je vois maman Clotilde Bondo, le plafond des reines, Asadie, ma force est tranquille, le boss est Chicha Chimbu, la Turquie, et pourquoi pas à celui qu'on appelle les géants de Berne Doukouré Immortel, et notre conseiller, papa Philippe Kabouikou, à Fribourg. En tout cas, je vous aime beaucoup, je laisse le temps dans l'homme de Dieu, à paix un message d'espoir, dans le coup, dans la difficulté. Bandeko ba problème est aussi la terre bandeko bazana ko banga ba souci maladie kindo kina famille na vie bana je crois que eza ba si jeux tout se batte belé c'est ça ko bota mabala et ko so tout ça ba bantou vraiment voilà je crois que ça sur bandeko et puis c'est mon numéro de téléphone à sous bien papa alors merci beaucoup vraiment nzambe apambolo papa na ngai et que Dieu vous bénisse binono so bozali ko la nabiso na kati ya mission oyo. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez des difficultés, des problèmes. Vous avez été dérangé. Mais je suis même comme tout le monde. Parce que il y a un message dans l'autre côté. Mais je dois aussi profiter à parler aux enfants de Dieu, aux servantes et serviteurs de Dieu, partout où vous suivez votre humble serviteur. Je suis votre serviteur, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre chef. Je ne suis pas votre patron, mais moi je suis votre serviteur. C'est vous qui êtes patron, parce que moi je suis à votre service. Dieu m'a mis à votre service. Alors, laisse que Dieu vous bénisse. Si vous avez des problèmes, je sais que c'est Dieu que nous servons. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi te rendra capable à tout, à la réussite. La foi et la capacité dans la prière et que ça là que oyeba na ko longa ba difficulté o ezali ko déranger bon moyen yo. Espérez encore. Ayez encore de l'espérance pendant que vous êtes encore vivant. Ayez encore de la foi pendant que vous êtes encore vivant. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent comme dit la Bible. Laissez-moi vous dire que Dieu est capable. Peut-être osa déranger, peut-être au perdre espoir, peut-être comme mona que yo ko bala le souté qui t'a dit que yo ko bala le souté. Kozwa maloba ya bakoko ya famille au tombo la ngoli kola maloba nzambete. Kozwa ba loi établie ya famille te au tombo la ngoli kolo ya parole de Dieu te. Ce que tu dois croire, c'est la parole de Dieu. Ce qui peut-être baby sa yo ke yo ko bongate. Ce qui peut-être baby sa ke yo ko bala li soute. Ke li bala na yo ko simba li soute. Mais moi je te dis que c'est encore possible. Parce que l'iloba nzambe zo bina mukanda ya Job chapitre 14. L'iloba nzambe zo kolobani. Un arbre a de l'espérance même quand on le coupe. Nzete ezalaka na elikia. Nzete ezolikia. Tang bakati yango. Pourquoi nzete? Te ezoli kia parce que nzete ezana misisa na mabele bien aimé nzete bakati yango yo nano bakati yote yo nano kufi okufite mais nzete ezoli kia
tango bakati yango ekweyi etikali moso na kati ya mabele me moso ya nzete wana ezo likia kende na zabo inakobimisa suma kasa kende na zabo inakobota sumbuma kende na zabo inakoresuse lisusu pourquoi parce que misisa nango eza na kati ya mabele misisa eza nini misisa c'est la foi misisa c'est la foi mabele c'est la parole je vous dis que ayez encore la foi dans la parole de Dieu et tout sera possible. Mon numéro est là, que Dieu vous bénisse. Le 089 87 59 834. Plus 242 89 87 59 834. Plus 242 89 87 59 834. Je devais prier pour vous qui me suivez et bi sikane ce message o ikokoya na sambelinzambe o ya benganga na kata musala oyo on a bonzela bolenge na ngai ke nzambe wana abundro bitumba ke nzambe wana kota likambo na yo ke nzambe wana apesa solution à ba problème. No Dieu tout puissant, tu es capable à toutes nos problèmes, tu es capable à toutes nos circonstances, à toutes nos difficultés. Répondre mokona mokona kombo na Yesu bisika message koyi na telemeli mayeli no sa satan na kombo na Yesu Christu. Amen.